Sauvage, ouais. Ce soir, tous réunis, c'est grâce à lui. Déjà d'une part, même si c'est pas très grand, mais en tous les cas, je sens qu'il y a des bonnes vibrations partout là ce soir. Qu'est-ce que le monsieur vous demande? Qu'est-ce qui est jazz? À la tournée du siècle, le mot jazz, c'était aussi un verbe qui veut dire de forniquer. Donc on dit I jazzed that girl. J'ai jazzé cette fille. Ça veut dire pas, on a fait une musique avec cette personne. Donc le mot jazz était un mot donné à nous par des Blancs, comme une description de notre musique, mais en fait, ça n'origine pas avec nous. Sidney Bechet, il parle de ça dans son livre Treated Gentle. Je crois, en page 3, ils disent, qu'est-ce que c'est ce mot jazz? Chez moi, c'était pour forniquer, ça peut dire comme vous voulez. Je m'appelle ma musique Ragtime, il dit. Looking for the sun. But now I'm down in Baghdad. Now that the war has begun, in Georgia, Carolina, down in Alabama, I hear shout down in Mississippi. Jazz, c'est une parole que j'utilise jamais. Je parle toujours de la musique african-américaine. Les gens noirs étaient esclavés et portés en esclavage aux États-Unis. Et au début, ils n'avaient pas de piano, de guitare, de cuivre, des anges. En fait, ils étaient importés là pour travailler. Et ils étaient importés de partout, en Afrique, à partir du Sénégal, jusqu'au Congo.
source de cette musique, c'était religion, en fait. Par exemple, en Brésil, dans le Nord-Est, on trouve une religion, on l'appelle Candomblé. Et le Candomblé préserve même les éléments de religion Yoruba. On ne trouve pas en Bénin, ni en Nigeria aujourd'hui. Ces traditions étaient préservées par des esclaves, en fait. Et aussi aux États-Unis, parce que des mêmes esclaves qui étaient importés du Sénégal, du Congo, Cameroun, Togo, ils étaient diffusés partout dans l'Ouest, dans les Caribéens, les Caraïbes, en Guadeloupe, Martinique, Jamaïque, Cuba, Brésil, Colombie, et bien sûr aux États-Unis. Nous sommes les mêmes peuples, tous des parties d'Afrique. En fait, c'était interdit pour des esclaves de faire la musique. C'était une chose ironique. En fait, ils étaient forcés de faire la musique dans quelques situations. Par exemple, dans une plantation, s'il y avait un noir qui était loin des autres travailleurs, et le patron, il voulait de temps en temps de connaître où il était là, ils font pas une révolution, il faut pas pour c'était nécessaire pour l'esclave de faire un bruit. Oh! C'est-à-dire, il était là. C'était la preuve qu'il était là. Il fait un cri. Et ils sont des cris du blues. Le blues a commencé comme ça, avec des cris des travailleurs, des chansons des travailleurs. Et des chansons religieuses, spirituelles, qui étaient importées et font la source de quelques religions syncrétiques dans le Nouvel Monde. Candomblé, voodoo, santeria, tout porte des racines de la musique d'Afrique, des modalités, des palimétriques, des palirythmes, tout font la basse de la musique qu'on appelle jazz. Thank you.
j'étais en train de dire, les Noirs aux États-Unis, parce qu'ils n'avaient pas des instruments, mais toujours un désir, une passion pour la musique, ils ont fait musique. Malgré que des gens blancs, ils ont interdit. Au début, cette musique s'était jouée sur le corps. Et ma grand-mère, elle était née en esclavage. Elle m'a montré un morceau bien joué par les esclaves. Et on appelle Hambone. Et c'est fait juste avec le corps, sans instrument. Mon batteur, qui est de Floride, comme moi, ils vont démontrer, John Vetch, ils vont démontrer le Hambone. Hambone, where you been? Brown the world and back again. Hambone, what's the word? Papa gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Daddy gonna buy you a diamond ring. If that diamond ring don't shine, take it back to the five and dime. And if that five and dime go broke, Daddy gonna buy you a billy goat. Hambone, 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 Hambone. John Betts in the house. La guerre entre Espagne et les États-Unis. Des Américains, ils ont vaincu des Espagnols en 1894, quelque chose comme ça. Et là, dans toutes les guerres, il y a toujours un orchestre. Et donc, pour cette guerre-là, ils avaient un orchestre. Après la guerre était finie, l'orchestre. Ils n'avaient plus besoin de tous ces instruments, parce que des soldats, il y a beaucoup qui vont chez eux. Donc, ces instruments étaient allés au magasin partout aux États-Unis, au début du XXe siècle. En fait, mon premier clarinette, j'ai acheté chez un brocante pour $15. C'était possible à ce temps-là. Le professeur de Charlie Parker, il parle dans un livre qu'il a acheté son premier clarinette pour $3 par un brocante à Nouvelle-Orléans, à Kansas City. C'était possible jusqu'au 1960 aux États-Unis d'avoir des instruments comme ça. Après, c'est plus ça. Donc, la tradition de la musique a commencé, en fait, après, vers le début du XXe siècle, surtout à Nouvelle-Orléans, où il y avait des premiers marching bands, mais en fait, partout aux États-Unis. Et
ces gens-là, comme Buddy Bolden, Louis Armstrong, ils ont commencé de jouer des trompettes. Mais au début, ils ont joué dans le style des spirituels et des work songs. Et après, ils ont commencé à écrire des chansons propres qui font la base de la musique de l'époque 20. Des musiques comme de Charleston, le Black Bottom. Écrivains comme F. Scott Fitzgerald étaient bien inspirés par sa musique. Il parle des Blancs qui imitaient des danses des Noirs. Et plus tard, Kerouac, il parle de l'influence de Charlie Parker dans cette musique. Donc la musique noire a bien inspiré toute la musique du monde. Et surtout aujourd'hui, on est bien influencé par cette musique. Par exemple, même de classique, Stravinsky, Debussy, ils étaient tous, Gershwin, ils étaient tous influencés par l'esprit de la musique noire. N'importe de où ça venu, ça vient. Plutôt que de dire ça vient des Noirs, la musique vient des Noirs, on dit nous avons tous fait cette musique. C'est pas vrai. Pas possible. C'est-à-dire, dans Jimmy Noon, Benny Goodman, il n'aura jamais joué un note. Mais qui connaît le nom de Jimmy Noon? Et l'histoire de ma musique, c'est plein des anecdotes comme ça.
récemment une prise de Artie Shaw, très bien fait, mais c'est le plus proche que je peux venir à Billie Holiday, parce qu'elle a chanté avec Artie Shaw. Mais en fait, c'était terrible le temps qu'elle a passé avec l'orchestre, parce qu'elle était noire, elle ne peut pas rester avec le reste de l'orchestre. Dans des entr'actes, il faut qu'elle de rester dans sa loge, parce que toutes les boîtes étaient blanches et il y avait beaucoup de racisme à ce temps. Pourquoi ils n'ont pas fait plus choses audiovisuelles des Noirs de l'époque? On peut trouver beaucoup de Paul Whiteman, Goodman, Dorsey, mais aucune de Billy Eckstein. Et c'était un grand orchestre. Dans cet orchestre, il y avait Charlie Parker, Dizzy Gillespie en même temps, Gene Ammons, Dexter Gordon, tout a joué dans le même temps dans cet orchestre. Mais il n'y a aucune documentation, aucune trace de cette expérience de 1940, quelque chose. Billy Eckstein, c'était un grand orchestre. Jimmy Lunsford, aussi, un grand orchestre noir, jamais documenté. Il n'y a aucune trace de ces gens. Comme Elvis Presley, il est le roi du blues. On rigole. C'était mon réaction la première fois. J'ai entendu que qui c'est ce type qui essaie de chanter de blues. Parce que je viens de la communauté de blues. L'homme juste à côté, moi. L'homme qui habitait juste dans le deuxième étage, et de temps en temps, il reste dehors à la maison, il chante, You don't know, baby. You don't know how I feel. Il chante, vous arrêtez, vous écoutez. C'était comme ça. Et quand j'ai entendu Presley, j'étais choqué. C'était une imitation, mais bien acceptée, parce que Presley, il a influencé en Afrique, il avait beaucoup influencé sur la musique moderne, et entre quelques Noirs aujourd'hui. Donc, culture, c'est pour tout le monde, et c'est bien partagé. Notre problème, est-ce que tout le monde devient riche sur notre culture, sur nos dos. Et nous recevons rien du tout. Cette époque de rap musique, des jeunes noirs, ils ont
ils n'avaient pas de chance comme moi d'avoir un saxophone. Par exemple, quand j'étais jeune, un saxophone, ça coûte $500. Le même instrument maintenant, ça peut coûter 3000. Donc, des jeunes dans la banlieue, ils ne cherchent pas des saxophones. Ils ne cherchent pas des trompettes. C'est trop cher. Ils ont créé leur instrument propre, comme des esclaves, avec leur corps, avec des choses autour de l'évolution de ma musique. Je trouve plutôt aujourd'hui dans des jeunes qui font le rap, le break. C'est eux qui expriment le problème de notre temps. Jazz est devenu plus en plus de musique, et ça devient plus en plus de musique semi-classique, si tu veux, pour des musées, pour des bourgeoisies académiques. C'était au début une musique qui vient des peuples, qui en a trouvé que dans des endroits qui entourent des peuples. Mais c'est plus comme ça. Je regarde des rappeurs d'aujourd'hui comme des prêcheurs de l'Église. Et ça a été la même chose pour des joueurs comme Charlie Parker et des instrumentalistes comme Coltrane. Ils ont cherché un niveau aussi spirituel. Et ils ont parlé dans un langage à leur peuple. Donc, de relation. Est-ce que la tradition de la prêcheur a continué? Avec Coltrane, il a dit qu'il était un prêcheur sur le saxophone. Il a dit ça. Avec des jeunes rappeurs qui viennent des prisons, souvent de la rue, ils ont des nouveaux prêcheurs. Ils parlent de leur expérience. Il ne peut pas parler sur des saxos, il parle avec les voix. Mais c'est la même idée que la musique, c'est un journal de l'expérience des peuples. So I told him like this, I said, hey, nous sommes les victimes. You know what I'm gonna tell my sons? That death cloaks the Potomac in a scarlet shawl. And the pillow beneath you is not here. Well, honey, I want you to take this ex-cannibal's kiss and turn it into a revolution, hey. Sludge of factories spat into the sky, and the flies that hover over your yellow encrusted eyes are the centurions of Hannibal wondering if you lie there. Your simmering hopes, Lord Jellicorn, turn up to the sky. La musique, c'est plus que des notes de la musique. De créer une chanson, il faut aussi une certaine passion et technique. C'est un mot plutôt académique. Je connais plusieurs musiciens avec beaucoup de technique, mais
qui sont pas très impressionnants, même avec toutes les techniques. Donc, technique, à part des passions, à part des convictions, intégrité, honneur, amour, une technique, c'est simplement un élément dans la musique, la création de la musique. Et enfin, si on ramasse toutes les autres choses autour de ton technique, on arrive par Cantoloniesement, qui est bien, bien imité par beaucoup de musiciens aujourd'hui, même des erreurs. Il était un homme intéressant parce qu'il avait une théorie de la vie que des erreurs, de faire des erreurs sont importantes. Par exemple, il y a Max Roach qui a raconté une histoire à moi. Il y avait un enregistrement, et Abby Lincoln, elle était toujours mariée avec Max à ce moment-là. Abby Lincoln, elle a chanté un morceau de Monk. Et Monk, il était là à l'enregistrement. Mais elle était très nerveuse parce que Monk il était là. Et elle peut pas. À chaque fois, elle fait un mistake. Et donc. Des erreurs. Des erreurs. Et donc, Monk, il allait à côté d'elle, il disait fais une erreur. Hey, oh, there's gonna be a revolution. Merci bien. Jean Bertrand, tout le monde. Jack Craig at the bass. Tom McClung on piano. Laurence Dastival, la vraie vedette de soir du soir. Merci bien. Laurence Dastival.